Précédemment dans Squid Game. Joueur 003 éliminé. Joueur 008 éliminé. Joueur 010 éliminé. Joueur 13 éliminé. Joueur 12 éliminé. Bienvenue dans l'épreuve numéro 2. Vous allez devoir faire le tour des formes sans tomber. Attention, l'ordre dans lequel vous allez passer est très important. Bonne chance. Salut tout salut et bienvenue dans l'épisode 2 de Squid Game. Eh bien, ils sont plus que 11 à participer à ce deuxième épisode. Et du coup, deuxième épisode, deuxième jeu. Est-ce que tout le monde est prêt, messieurs? Eh bien, nous sommes prêts. Alors, je tiens déjà à vous annoncer que durant cette nuit, il y a eu 0 mort. Le seul mort qu'il y a eu, c'était Néo, le joueur, malheureusement, 012 qui est mort. Vous êtes plus que 11 à voir partager la somme d'argent. Il fait que de monter. Le jackpot, vous l'avez juste en bas ici, les gars. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêts. Veuillez nous suivre pour participer au deuxième jeu, messieurs. Je vous prie de vous suivre. Bienvenue à tous, chers participants. Bienvenue dans l'épreuve des carrés, triangles, ronds et parapluies. Alors, vous allez devoir choisir un numéro entre 1 et 4. Je suis le numéro 3, mon collègue à côté, c'est le numéro 2. Là-bas, vous avez le 1 et la case vide juste à côté de moi, ici à droite. C'est, du coup, à votre gauche, à vous. Ça sera le numéro 4. Allez-y, vous avez 2 minutes pour choisir un numéro. N'hésitez pas. Moi, je suis numéro 2. Le numéro 1, vous pouvez vous placer devant le carré. Numéro 2, eh bien, ça sera le triangle. Triangle, allez, suivez-moi. Le numéro... Stop, pas la plateforme. 3, c'est le rond. Du coup, vous avez choisi un numéro entre 1 et 11. Alors, bien évidemment, ceux qui ont pris le numéro 1, vous doutez bien que vous n'allez pas passer en premier, vous allez passer en dernier. Donc, ça sera le 11e qui passera en premier, ensuite le 10e, ensuite, etc., etc. Donc, celui qui a le numéro 11, il peut y aller dans pas maintenant. Je vais lui dire quand il peut y aller. Ok, du coup, je rappelle les règles. Ils vont devoir tout simplement faire le tour de chaque parcours. Donc, le carré, le triangle, le rond. Le parapluie n'a pas été choisi par les joueurs, malheureusement. On vous s'en doutait de toute façon que c'était le numéro 4. Et du coup, eh bien, la salle, tu peux passer ce premier parcours. Je dois aller doucement ou je dois aller vite? Tu peux y aller doucement. T'as le droit. Par contre, je l'ai oublié de le dire, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter plus de 5 secondes. 5 secondes. Ouais. On peut te tirer dessus à tout moment. Voilà la salle qui fait le tour. Tout simplement du petit carré. Là, il n'est pas arrêté, hein, il marche tranquillement. Et il va valider son point dans quelques secondes. Par contre, c'est vrai que le parapluie, il est long. Hein. Wow, heureusement que vous n'avez pas choisi le parapluie, les gars, parce que je peux vous dire que vous aurez galéré de chez galéré. Ok. Eh bien, c'est validé la salle. Bien joué à toi. Tu peux aller chercher ton pistolet. Et les autres, vous pouvez passer en attendant. Hein. Enfin, le dixième. Quand les pistolets des 13 vont arriver. Des fous, moi aussi. Va-t-il valider le parcours ou non? Le numéro 10 qui est en train de passer. Faut qu'il fasse vite parce que la salle qui est en train de courir, qui est en train d'arriver pour déstabiliser le joueur. Et le numéro 10 qui passe, bien joué. Le numéro 9, tu peux passer. Par contre, le premier, aïe. Ça va être compliqué pour lui. C'est vrai que le premier... Le rond qui est un peu plus long, hein. Vous doutez bien que c'est un rond, qu'un rond c'est plus long. Quoi, même un carré, hein. Le triangle, je pense que c'est le mieux. Le triangle, ceux qui ont choisi le triangle, c'est bien. Ouais, t'as vu. C'était pas loin. Oh, je crame. Aïe, ça commence à brûler. Au niveau du joueur numéro 9. Qui est en train de passer le rond. Qui brûle. Pour l'instant... Ouh là, ça commence à descendre au niveau de la vie. Ah, il y a un autre qui est en train de tirer aussi. Va-t-il valider? Faut qu'il court et bien joué. Vous avez plus le droit de tirer dessus. Le numéro 9 qui passe et le numéro 8 a droit de passer. Et le numéro 8 qui est pour les joueurs, le triangle.
Le triangle qui est le parcours le plus fin, hein, le symbole. Hein. Allez. Heureusement qu'encore une fois, vous n'avez pas pris le parapluie, puisque je peux vous dire que le parapluie qui est juste à gauche, c'est quelque chose. Oh. Et malheureusement, joueur numéro 002, éliminé. Joueur 002, éliminé. J'ai envie de pleurer. Elle n'a pas commencé, elle est déjà morte. Ok. Attention, le numéro. On était à 7, peut passer. Le numéro 7. C'est un triangle également. Certains ont choisi la facilité, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, comme Kosla, eh bien, ça a été une défaite directement. Et là, on va dire que le joueur a été déséquilibré par le fumigène. Aïe, 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 ça va être compliqué. Alors là, le joueur qui utilise la technique, du coup, qui est plutôt pas mal, c'est une bonne technique, mais par contre, il va falloir, je pense, est-ce que cette technique va passer ou pas, parce que là, il n'a pas de vitesse, mais malheureusement, JR qui est éliminé, et c'était GXNO, hein, c'est son corps en fait, et 004 éliminé. Eh bien, on peut demander au sixième joueur de venir sur le ring du joueur numéro 6 de cette activité, mais pas le 006. Hein. Et on rappelle que 3 sont qualifiés pour le moment. Et malheureusement, le joueur 007 qui est Maé, éliminé. Fait effort, là. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Là, je peux vous dire que malheureusement... eh bien, le joueur 007 Maï qui est tombé toute seule, hein, qui n'est pas tombé à cause des joueurs. Allez, faut aller plus vite, sinon ça va brûler, ça va brûler. Le rectangle, on le rappelle, c'est le parcours le plus fin. Allez, va-t-il le faire? Va-t-il brûler ou non? Va-t-il passer? Pour l'instant, 3 qualifiés. Et c'est validé! Bien joué! Yacine, c'est ça? Non. C'est pas Yacine. Il y a une personne avant moi là, c'est Oula. Aïe, ça commence, ça stresse, et ça tombe, malheureusement, il tombe. Oh non. Et Nitro Kilo éliminé, joueur 006, éliminé. Alors on rappelle qu'il y a 4 qualifiés pour le moment dans cette activité, qui est vraiment compliquée pour le joueur, et malheureusement, encore une fois, une défaite. De Momo, le joueur 009, qui est éliminé. J'ai reçu un message du créateur, les gars. Vous n'avez le droit d'utiliser plus que 5 balles chacun. Voilà, donc soyez bien précis avec vos balles. Les qualifiés, je parle. Hein. Donc 5 balles de pistolet détresse chacun. C'est parti, tu peux passer. C'est le rond? Ok, le rond. Pour le prochain joueur, les joueurs n'ont plus que 5 balles chacun. Oula, je crame. 2. Attention, attention, les gars, je compte. Hein. Je rappelle que si vous respectez pas les règles, vous pouvez vous prendre une balle, hein, les qualifiés. Hein. Hop. Ceux qui ont plus de balles, vous venez derrière, s'il vous plaît. Voilà, vous venez sur la pente, ceux qui ont plus de balles. Ok. Va-t-il passer? Attention. Et bah bien joué. Ouais. C'était qui? C'était moi. Il y a 011 qualifié. Bien joué. Ouais. Yacine qui est qualifié, qui peut rejoindre du coup ses coéquipiers. Et la salle, il te reste des balles? 2. 2 balles pour la salle, ok. 2 balles pour la salle. Alors du coup le prochain, c'est le carré. Le prochain, c'est le carré. Ben, j'ai trébuché. Ah. Et malheureusement, joueur numéro 014 éliminé. Razor qui était le 14e joueur et qui est éliminé. Pour l'instant, vous êtes 5 en vie. Eh bien, chers participants, vous n'êtes plus que 5 en vie, joueurs éliminés dans cette activité. Cette deuxième activité, 6. Certains sont tombés tout seuls. Hein. Certains malheureusement ont été brûlés, certains sont tombés à cause de votre pistolet de détresse parce que vous les avez stressés. Mais du coup, eh bien, vous êtes les 5 qualifiés pour l'épisode 3 et pour la nuit numéro 2. Bonne nuit à tous, dormez bien et demain, ça sera le
prochain épisode et prochain jeu.